Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'Info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et polis. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Burkina Faso, plusieurs terroristes neutralisés dans plusieurs localités. Les unités combattantes ont accentué la pression sur les troupes armées terroristes dans les différents groupements de forces. Les actions conduites dans cette période s'inscrivent dans la dynamisation de reconquête du territoire enclenchée depuis plusieurs semaines et qui a permis le mois dernier d'améliorer considérablement la situation sécuritaire dans plusieurs localités comme Solenzo. Sur la base d'informations précises fournies par les services de renseignement, une action offensive a été conduite ce mercredi dans une base terroriste dans les environs de Kinsey, province de la Kossi, région de la boucle du Mouan. L'action, qui s'est déroulée après plusieurs heures de surveillance et de traque, a mobilisé des unités terrestres appuyées par des unités aériennes. Le bilan de l'assaut fait état d'une quinzaine de terroristes neutralisés, plusieurs fusils d'assaut et fusils mitrailleurs, ainsi que des munitions ont été récupérées et détruites. Une importante quantité d'explosions a également été saisie sur la base et détruite. Selon les premiers éléments recueillis, les terroristes qui ont ôté la vie à un enseignant ainsi qu'à un religieux début janvier sur l'axe Tongan ont probablement été neutralisés au cours de l'assaut. Aucune perte n'a été enregistrée du côté de nos amis. Merci. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.